C'est ce dimanche 11 avril 2021 que Vianney a fait quelques confidences sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, sur France 2. La star a notamment parlé du succès de son dernier album N'attendons pas qui est sorti pendant le confinement. Une situation cocasse puisque les disquaires étaient fermés. Comment tu vis le succès ? A demandé Michel Drucker sur le plateau. Je ne suis pas tout seul dans ce navire, on est une équipe soudée qui est la même depuis le début, a répondu le coach de The Voice avant d'ajouter finalement tout ce qui nous arrive, il y a du mauvais, des tempêtes, il y a des grands ciels bleus, comme depuis 2 ans, on l'a vécu ensemble. Donc je n'ai pas le sentiment d'avoir eu à encaisser ça tout seul. Également invité sur le plateau, Julien Clerc avait fait la promotion de son 20e album Terrien. Je suis étonnée parce que je trouve qu'il garde vachement la tête sur les épaules, il est toujours aussi simple, charmant et ça cesse bien, a-t-il mentionné sur le plateau. Je prends le micro, je souris et je chante, Julien Clerc a avoué sur le plateau de l'émission qu'il lui était difficile de rester simple. Moi, j'ai essayé aussi, même si je pense qu'à certains moments je pâchais pour quelqu'un d'un petit peu désagréable, confie Julien Clerc. Je me souviens que dans certaines émissions, avec toi Michel Drucker, par exemple, je ne pense pas que c'était parce que j'avais pris la grosse tête, c'est parce qu'on nous demandait de chanter en direct, et je voulais tellement que ce soit parfait qu'il y a eu un moment donné où je pâchais pour quelqu'un de difficile et de chiant, ajoute-t-il. Julien Clerc a conclu par c'est vrai que je me suis beaucoup détendu. Maintenant quand il faut chanter en direct, je prends le micro, je souris et je chante, mais il y a une époque je ne l'entendais pas comme ça. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.